Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Bon, simplement, moi, je ne fais qu'être le porte-parole d'un collectif des libertés qu'il faut saluer, parce que ça fait plus de 15 ans, depuis son papier de l'église Saint-Bernard, je crois, donc qui s'est organisé ici sur place, et qui donc rassemble un peu des gens d'horizons divers, des associations et aussi des simples citoyens. Et donc ça fait depuis 15 ans qu'on essaye effectivement que des familles qui sont venues ici aient le meilleur accueil, et par tous les moyens juridiques et humanitaires, on les accompagne dans toutes leurs démarches. Et là, on a donc Sargis et sa famille qui sont un exemple frappant de ce que ça vaut le coup de se battre avec des personnes comme ça qui font tout pour s'intégrer. Je ne veux pas savoir, bien sûr je le sais, mais je ne veux pas savoir par rapport aux problèmes qu'ils ont vécu, parce que je sais que c'est une souffrance, et tous, que ce soit quelqu'un économique ou politique, ceux qui s'intéressent à ces personnes-là, parce qu'il y en a d'autres que je vois ici qui sont dans le même cas, eh ben, c'est incroyable la souffrance qu'ils vivent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de nourriture, ils ont pas... c'est fou la situation qu'ils vivent. Et quand je dis ça, je ne veux pas non plus mettre le coup de force sur ces personnes-là. Je dis que c'est toute la société, c'est-à-dire... Je ne veux pas qu'on fasse un favoritisme parce que c'est un chanteur, et que parce qu'il est chanteur, on doit faire plus pour lui. On essaie de faire plus pour tous. Comprenez ? Voilà. Et donc c'est ça le. Et autant l'aspect politique, Serge a raison de le souligner, nous, on l'a mis un peu dans notre poche, l'aspect politique. Bien sûr, on est des citoyens et on s'est jugé de la politique, on n'est pas les derniers non plus à penser politique, mais on essaye d'être humanitaire, et c'est la voie qu'on arrivera à trouver pour la solidarité, pour l'amitié, pour que ces personnes-là aussi deviennent agissantes. Je voudrais aussi qu'on pense qu'il y a tout un environnement, et c'est pas seulement les étrangers, on est fiers d'ailleurs d'avoir ses racines, hein. Nous aussi on est tous des étrangers d'une certaine manière, mais on veut montrer aussi à d'autres personnes que la solidarité qu'on veut manifester, elle s'exerce aussi à d'autres. Voilà. Et c'est les services sociaux, et c'est tout ça qui œuvre. Moi, je dis que dans le bassin d'Envie, on a un maximum de personnes qui sont formidables et qui se dévouent pour les autres, que ce soit le RSA, que ce soit d'autres personnes dans tous les sens. Et moi, c'est le message que je voulais vous donner, et que je suis content que vous soyez tous là pour parler de Sargis et sa famille aujourd'hui, mais d'autres demain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci.